matin tout le monde, on est en direct de Gili. Je suis présentement sur un quai en train de regarder le magnifique coucher de soleil. C'est fou. On voit pas très bien sur la caméra, mais il y a le mont Rinjani, qui est, je crois, le mont le plus haut d'Indonésie. Je suis pas certain. Mais c'est des villes, là, le coucher de soleil. Wow. Si seulement vous pouviez être là avec moi pour vivre ce moment, c'est... j'ai décidé de coucher de soleil, le lever de soleil. C'est fou. Bref, si jamais vous ne me connaissez pas, gang, je m'appelle Kevin, je suis un voyageur, je voyage présentement en Asie, je fais des vidéos à chaque jour et j'essaie de capturer des moments comme ceux-ci où le... il y a comme un peu de magie qui plane dans l'air. C'est très fou. Surtout que l'eau en plus est très très claire là. Quand le soleil va être plus haut, on va voir l'eau va être turquoise. Je vais revenir ici tantôt. Mon objectif aujourd'hui, j'en ai deux. Un, c'est de faire le tour de l'île de Guilimeno. De faire tout le tour de l'île, ça prend environ 1h30-2h. Et ensuite, prendre le lever de soleil et le coucher de soleil dans la même vidéo, dans le même vlog. Oh, on commence à voir le soleil là. J'espère que vous avez aimé le petit montage que j'ai fait. Une chose qui est sûre, si jamais vous venez à Gili, sur les îles Gili, venez voir le lever du soleil. Levez-vous aux alentours de 5h30 du matin. Allez vers la plage. De toute façon, allez vers la plage. Peu importe où vous êtes, là, ça va prendre environ 5 à 10 minutes, gros maximum. C'est vraiment pas long. C'est juste fou. Là, j'ai quasiment plus de batterie. Qu'on retourne dormir un peu. Ensuite, on va faire le tour de l'île par la suite. Alright, guys. Il est maintenant l'après-midi. Je pense qu'il est 2h. J'ai pas dormi. J'ai édité le vlog. Et pour vrai, c'est débile. J'ai également changé l'intro. Vous avez déjà vu l'intro et la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'ai changé l'intro et l'outro, le ending. J'espère que vous allez aimer ça. Moi, je l'adore. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, on va commencer. On va aller manger parce que j'ai vraiment faim. Ensuite, on va. Ah, il pleut! Ensuite, on va aller faire le tour de l'île. Même s'il pleut, c'est pas grave. Pas fait en chocolat. Ça pourrait faire des différentes vidéos. Qu'on va aller manger, puis on va manger à la même place qu'hier. Ce que j'ai remarqué, si jamais vous venez à Gili, c'est que les restaurants coûtent plus cher s'ils sont sur le bord de l'eau. Et tout dépendant s'ils sont vers, mettons, comme les restos qui sont vers le coucher de soleil sont plus chers que si sur le bord de l'eau. C'est un peu bizarre. Ben, c'est pas bizarre, en fait, c'est normal, c'est de la logistique. Mais bref, bon, qu'on s'en va au resto d'hier et ensuite. On va continuer à faire le tour de l'île, à qu'on se voit après manger. Bon, finalement, j'ai pas filmé après avoir mangé, mais j'ai presque fini de faire le tour de l'île. En fait, je vais tricher un peu, je ferai pas le tour de l'île. Je vais vous montrer les vidéos avant de vous en parler. Je vous montre les vidéos maintenant. J'espère que tu as apprécié cela. Que dire sur l'île? Ça revient, c'est pareil au même un peu partout. Il y a des restaurants, des petites villas,
les restaurants, les petites villas. Ça reste que l'eau est super belle, comme vous allez pouvoir voir, mais on dirait que ça devient comme... Tu sais, t'en vois tout le temps, on dirait que tu viens moins impressionné, tu viens de moins en moins impressionné. Mais c'est nice pareil. Sauf que là, j'ai tourné sur une rue, j'ai aucune idée où ce que je suis. Aucune idée. C'est, ça a l'air plus résidentiel comme quartier, on dirait. Je vais venir au courant, mais j'ai aucune idée c'est quoi. C'est définitivement moins peuplé que sur le bord de l'eau, mais je trouve ça vraiment nice. Je trouve ça plus fun d'être ici que sur le bord de l'eau parce que ça fait plus naturel comme quartier. J'ai plein de palmiers. Et... c'est vraiment nice comme place. Bon, ça fait 3 vlogs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit changement dans la façon que j'édite mes vlogs. Parce que je vais mettre beaucoup plus d'emphase sur la qualité de post-production que sur le nombre de temps que je vais mettre. C'est pour ça que mes vidéos sont plus courtes, mais il y a plus de cinéma de montage dans le vlog. Et la qualité également du vidéo est baissée parce que j'ai découvert que ma caméra filmait en 60 FPS, mais je dois la mettre à 720p. En 720p, ça veut dire la qualité. Que, mais je préfère une moins bonne qualité, mais une meilleure qualité de production, on va dire, que mettre du 1080p, mais avoir aucune qualité, aucun contenu. Je sais pas, ça se dit tellement pas, mais c'est pas grave. Vous comprenez. Je vais me faire couper les cheveux par un citoyen de Guilly. Sorry? What style do you want? I just want to cut the side because it's long. I'm used to have like really short hair. New style like you? No, just cut the side there. Yeah. Oh no, I don't see my head. You can have it. Oh yeah, film it. Is it filming? Yeah, awesome. I see. You can go through. Yeah. Donc je vais faire I speak French. So. Oh yeah. Je vais me faire couper les cheveux pour la première fois en Asie. Let's go. I'm ready. Yeah. This is Mr. Maman? Yes. Yeah. Partner. Thank you. You'll be on YouTube after it. Thank you so much. And this is Mr. Ferdinand Tinaga. Yeah. Football player of Indonesia, yeah. And me. Black color. Yeah, I'll come back. Okay. Yeah. I'll try to find my way. Thanks, man. You're welcome. Bye. Yeah. See you later. Okay, see you. Ciao. J'ai des cheveux partout. Les gens sont tellement sociaux ici. C'est fou. Là, j'ai besoin de trouver une bonne douche. Ciao. Ok, on s'en va à la maison prendre une douche. Direction de la maison. La douche est prise. On s'en va voir le coucher de soleil. Parce que je l'ai dit, je veux voir le lever de soleil dans mon vlog et le coucher de soleil. On s'en va voir ça. Il y a, il y a un lac juste là sur la petite île. Mais je vais pas vous le montrer tout de suite. On va aller le voir un autre jour. Peut-être demain.
faut bien garder du contenu. Hein. L'île est tellement petite qu'il faut bien garder un petit mystère. Ah, c'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est fou qu'à Souvenir, on puisse voir le lever de soleil et le coucher de soleil dans la même journée. Ouais. Les verts, c'est les cocktails Happy Hour. Ah, d'accord. On est rendu là. Et ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui. J'ai rencontré les premiers Québécois de mon voyage qui viennent de Québec et une de Montréal. C'est un couple, Brigitte et Bertrand. Vous allez vous reconnaître si vous regardez ça. On a passé la soirée à discuter, c'était super attrayant. Je les ai pas filmés parce qu'on discutait. J'étais trop dans la discussion, j'imagine. On est censé être en Nouvelle-Zélande en même temps. Peut-être qu'on va se croiser en Nouvelle-Zélande. Qui sait? Que vous êtes super sympathiques. Content de vous avoir rencontré. Si jamais on se rencontre pas, vous savez où me trouver. Donc, on se dit au revoir, gang. On se voit à demain pour une nouvelle aventure. Ciao.